Yoshi Family, c'est Yoshi Kira et bienvenue dans le 16e épisode Pokémon Ultra Lune Miraculous Luck Challenge. En tout cas, j'espère que vous allez bien de ma part. Ça va super, j'ai dit 16e, c'est peut-être le 17e. On se retrouve aujourd'hui pour Amis de la Cinématique. Bonsoir, se taper la petite séance dans la bibliothèque. Ou sinon, le script ne veut pas que j'avance dans le jeu. Donc c'est parti avec cette douce et charmante petite Lydie. Hop là, le téléphone qui s'envole. Qui s'envole. Je suis désolé, Yoshikira. En fin de compte, je me suis encore perdu. À force de tourner en rond, j'ai fini par atterrir dans une boutique de vêtements comme une gonzesse. Je suis tombé pile sur les fins de collection. J'avoue, j'ai dépensé sans compter. Maintenant, j'ai une montagne de vêtements que j'oserais probablement jamais porter. Ah, mais c'était pas du temps perdu. Grâce aux indications de la vendeuse, j'ai pu trouver la bibliothèque. Certes, c'était le bâtiment juste à côté, mais quand même. Ah, je suis conne. Mourri. Voilà, c'était le screamer de l'épisode. Ah, parmi sur le ciel, ce n'est plus Yoshikira, ça fait un bail, ton tournée a bien l'air d'avancer, ma fouée, que les tocos doivent être fort ravis. Ah, mais qu'est-ce que cette charmante donzelle? Bonjour, je m'appelle Lily. Ah, enchanté Lily, est-ce que c'est à avoir flanqué une fois de boulinos, hein? Ah, que t'as poil dans les sols, toi, et que tu fais que beau dans le coin. Je suis juste venu visiter les ruines, ça, elles m'intéressent pour de diverses raisons. Ah, une fille curieuse, ça j'aime. Ah, si t'as besoin de guide, que tu peux compter sur moi, il se le bourrit, non, ça, c'est un sac, les bestiaux, mais il peut porter deux personnes sur son dos, son sabot dans le nez. Merci beaucoup pour la proposition. En parlant de sabot dans le nez, moi, et pollen qui chatouille. Bon, si on rentrait dans la bibliothèque pour faire avancer le jeu. Voilà, on a fait avancer le scénario, on a découvert Margé, enfin je dis on, j'ai découvert Margé, vous l'avez forcément pas vu grâce à ce cut. Donc on va enfin pouvoir avancer dans le scénario, peut-être se faire le petit Pokémon de zone, j'ai envie d'éjecter Plumeline, mais en soi je ne sais pas si ça va être raisonnable de le faire maintenant ou pas. On est quoi, route 11, allez c'est parti. Et après, ben, selon ce qu'on peut avoir en premier échange miracle, ça peut être sympa. Donc les Pokémon qui risquent de sauter, c'est Plumeline et en soi, le petit Laporeil. Donc le Migalos, c'est parti. Donc route 11, logiquement, on n'a rien capturé. Rapid Ball, on en a 11, voilà. Donc oh, on va peut-être enlever la peau. La peau Warbok. On se tente 6. J'ai envie d'assurer le coup avec 6. La Power Buck, Plumeline. Ah, je sais pas. Ben, on verra ça ben, tout de suite sur la place festival. Voilà. Jessica monte au niveau 31. Arbok 26. Allez, bon. On verra bien. Je l'ai mis à la place d'Arbok du coup. Pour 6 échanges miracles. Donc, on aura la petite surprise. Voilà. Ça commence un peu tranquillou, bilou. Voilà, donc Migalos s'en va. Pourquoi? Pour quel Pokémon? On verra bien. Et c'est Uzizapon, point de bout, clap, clap, clap. Ben, voilà. Qu'est-ce que ce petit japonais va nous envoyer? J'espère qu'on va enfin avoir de la chance, de la surprise. On a eu Grolem au dernier épisode, ça pouvait être fort sympathique. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, là, on en a 6 échanges, donc on peut tout avoir. Voilà, Manglouton, lui, il va gerter avec perte. Et fracas, voilà. Petit Manglouton, bonjour. Mais non, on ne veut pas de vous à cette période d'épisode. Donc, on va passer à un autre échange. Qui sera encore au Japon, à Miyagi. Je cherche un Pokémon chromatique. Waouh, l'as-tu vu? As-tu vu les belles canouilles? Hein? Je sais pas. L'as-tu vu le Pokémon chromatique? Je pense pas l'avoir. Mais en tout cas, lui se retrouve avec un Yungos. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, dans une Honor Ball. Salamèche. Un petit Salamèche dans une Honor Ball. J'ai envie de le garder. J'ai envie de le garder, même s'il va pas rester très longtemps. On va le garder. Et pourquoi on va le garder? Parce qu'il est niveau 1. Et oui, résumé. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Bon, c'est un résultat de bride. Hein. Il a Danse Draco, Colère, Rugissement, Bout de Feu. Et en soi,
La colère dans ce Draco, ça peut être sympa. On va le pex, celui-là. Celui-là, il est fort intéressant. Allez, c'est reparti pour la suite de cette aventure qui est tout simplement magique. Voilà, on va se retaper quelques petits rapaces de pique et compagnie. On va se taper contre la Team Skull. Donc, le Salamèche peut vite devenir Reptincelle. On va esquiver le monsieur derrière. Si on se fait des Pokémon sauvages, on va se les bouffer. On les combattra. Mission infiltration, oui. Ah merde! Bon, ça sera Rapace de Pique qui nous fait la mission infiltration qui nous fait foirer, voilà. Ah non, Hermure. Ah, là de suite, c'est un autre... C'est un autre pépin. Hermure, j'ai rien pour le passer directement. Donc on va le fuir. On prend la fuite, voilà. On n'a rien vu. Que dalle. Si on se fait des Pokémon sauvages, on va se les bouffer, on les combattra. Non. Et on continue. Alors, du coup, hop, lui, est-ce qu'on peut l'esquiver ou pas? Je pense que oui, c'est bon. Le flic, on l'esquive. Et vous avez le flic qui est derrière et eux qui sont en train de se farcir, voilà, un poteau. Castan, t'as jamais vu de Lascar en train de voler un arrêt de bus ou quoi? Attends, tu nous veux le chouravé, c'est ça? Chouravé, attention. Eh non, je veux juste que tu fasses XP mon Salamèche, voilà. Et voilà est un verbe. Allez. Allez, connais le Kung Fu. Allez, il y en a qu'un. Ça doit être son petit smug. Malos. Ok. Malos qui l'envoie. Allez. Lame R. Ça devrait être suffisant. Niveau 29, niveau 39, 10 niveaux d'écart. Ça devrait le faire. Ah, il a évité. Ok, je me prends la morsure. Ouais, c'est bon. J'ai pas eu l'apeurement, donc ça c'est parfait. On reste plus rapide, ça c'est nickel Gisèle. Allez, le one shot. Allez, c'est parti pour le cut dynamique du Salamèche qui va beaucoup XP en soi. Voilà, donc Galvran niveau 23. Salamèche donc niveau 2, 3, 4. Apprends à compter avec Yoshi. Niveau 5, 6, 7. Apprends Flamèche. 8, 9, 10. Promis, je mets pas de screamer maintenant et il ne va pas apprendre brouillard. 11, 12, et on a battu le sbire. Attends, j'ai perdu, c'est possible ça? Bah, il a pas encore évolué, donc non. Team Skull, quand tu te bats, regarde un derrière toi, ici, on aurait pas un autre. Eh bien là, je t'attends, mon gars. Ça serait bien que t'aies deux Pokémon comme ça, le Salamèche évolue. Ça serait cool, ça serait cool. Bon, il tient pas la route encore contre le Togedemaru, même en Reptincelle. Mais, on y croit. Allez, approche, t'en as qu'un toi aussi, très bien. Nosferalto. Ah, ça joue sur la vitesse, je pense que Nosferalto est peut-être plus rapide que moi, à voir. Alors du coup, attaque, lame R. Ah non, je suis plus rapide. Bon ben rip Nosferalto. Ah non, onde folie. Pas la folie, pas la folie, pas la folie s'il vous plaît. Ok. On refait lame R. Je peux même pas lui faire séduction parce qu'on est deux mal. Ah c'est bon, la deuxième lame R est passée, ça c'est nickel. Ça serait bien aussi que Jessica devienne un lockpin en soi. Mais bon, ça reste difficile. Donc niveau 25 pour Galvaran il me semble, niveau 13 pour Salamèche, niveau 14, 15, l'évolution, Dracorage. Dracorage, on va le mettre à la place de Flamèche pour l'instant. Car Dracorage fait toujours 42 dégâts et ça c'est intéressant. Et on a battu. Ça c'est cool. Allez, petite évolution qui fait plaisir de ce jeune petit Salamèche. Voilà, le petit Salamèche qui est venu en Reptincelle. Eh, c'est pas juste alors qu'on voulait juste alléger le boulot des chauffeurs de bus. Excuse-moi. Pouf, y'en a marre puisque c'est comme ça, je rentre à la planque, wesh. Mais vas-y, tire-toi. Ah, yeah, Shikira. Tu voulais pas me laisser un peu de bus, j'espère.
Ah, je viens de voir ce qui s'est passé avec ces guignols de la Team Skull. C'est toi qui les as mis en déroute. Comme ça, avec ton talent, tu devrais relever le défi de la Ligue Pokémon. Oui, c'est le but de mon Nuzlocke en soi. T'inquiète, man, je t'expliquerai ça bientôt dans le script. Ah, tu connais la route qui mène au mont Okulani. Ah, le sentier protégé, il y a un bus spécial qui a le droit de l'emprunter. Très bien. Et allons prendre le bus. Tout simplement. Oh, c'est un arrêt de bus. Voulez-vous monter jusqu'à l'observatoire? Ben, bien sûr. Chaud devant, voilà le net cocobus. Ah, je vous garantis, à destination on n'a rien de tourmenté, accrochez-vous bien! On peut y aller, Earn? Oui, Earn, on peut y aller! Ça va secouer un max! ça y est, on y est presque, on y est presque! Le chaudron baveur! Hey, par ici! N'empêche, vous m'avez fait rire sur le dernier épisode comme quoi Filinferno était juste un scandale qui mériterait de mourir, mais en soi, je suis d'accord avec vous. Bienvenue au Mont Okulani, le second plus haut sommet d'Alola, là. Et j'ai bien dit le second, regarde par là, tu vas comprendre. Tu l'as vu, ma grosse montagne. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Regarde. Tu vois cette montagne ô combien escarpée, imposante et majestueuse? C'est des pixels. C'est le mont Laki, l'Anakila, le plus haut sommet d'Alola. Très bien. Un lieu sacré, intimement lié à un Pokémon légendaire. On dit être l'incarnation de la Lune. Rien que ça. Et c'est là, sur le mont Lakanila, que je compte établir ma ligue Pokémon. Cool, non? Ah, par le passé, les dresseurs qui finissaient leur tour des îles avaient ensuite le privilège d'affronter le doyen haut du mont Lakanila, l'Anakminamala et des Macarena. Et en cas de victoire, ils se voyaient alors décerner le titre de lauréat de tour des îles. Je suis professeur maintenant attaché aux traditions séculaires de l'OA, mais je tiens à les respecter. Mais je veux aussi créer une ligue Pokémon parce que je suis un professeur et que je montrerai au reste du monde ce que Alola a dans le ventre. D'ailleurs, j'ai déjà l'idée de conseil 4. La première étape vers le titre de maître du monde est le titre de lauréat des tours des îles. Ça sera aussi à moi un excellent moyen de faire connaître les dresseurs des Pokémon d'Alola dans le monde entier. Très bien. Je veux capturer un Pokémon. On se soigne, parce que là, il va y avoir du Meteno. Tout simplement, du Meteno. Bon, après, en soi, ça devrait pas être difficile. Et ensuite, go, l'épreuve de Chris. J'hésite toujours à me garder le Plumeline ou le Laporeil. C'est en soi, c'est un choix très difficile. Donc le Pokémon de zone devrait être Zizi. Voilà. Allez, c'est parti, on fouine. Voilà, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on va avoir? Là est la question. Un Meteno sauvage apparaît. Pas sûr que la Rapid Ball fasse son taf. On tente quand même au cas où. Allez, la Rapid Ball, on y croit. 1, 2, non. Non, c'était prévisible. Ok, piège de roc. À faire attention. Du coup, on va... L'âme R, ça devrait pas le tuer. C'est en plus, il est full défense. Je suis pas sur ma faiblesse. Non ! On avait oublié ce détail. Bon ben... Rip le Pokémon de zone. On va les soigner. Bah voilà. Hein. Manteau niveau 40. Ah, ah bah du coup, oui, on va le garder du coup. Danse éveil, c'est quoi danse éveil? Oui. Voyons voir. Danse éveil. Un lanceur attaque en dansant avec enthousiasme. Le type et la capacité est elle-même celui du lanceur. Ah, danse éveil, ça peut être intéressant donc. Choisir une autre capacité. On va le mettre à la place de séduction. Dans éveil, ça peut nous sauver le let's play.
Ok, Galvar au niveau 24, ça c'est nickel. Reptincelle niveau 17, ça c'est cool. Reptincelle 18. Et le Plumeline qui est content. Voilà. Ouais, on lui dit carré. Ah, je voulais répondre au motis Badex, moi. Ah, zut. Zut. Zut, zut, zut. J'ai fait le caca. J'étais tellement concentré, j'étais là, et là il y a un cut et tout. Mais l'eau fait, ok. Bon, bah ça fait quand même pex. Voilà. Je pense pas qu'on va faire Chris finalement sur cet épisode. On va le faire sur le prochain épisode. Là voilà, c'est un épisode des shows, tranquille. Niveau 40, ouais, non, logiquement on devrait l'exploser. Coup critique, c'est bien. Voilà. Allez, on continue à faire pex. Le Grolem qui est niveau 33, ça c'est cool. 26 pour Galvaran, 19 pour Reptincelle. Et c'est tout. Ah là, je crois qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Non, non, du tout. Donc, voilà. Donc, j'étais parti pour répondre au Motisma Dex pour qu'on ait le Motisma Gogo en fin d'épisode. Voilà. Commençons le tour des îles, observatoire. Mais non, mais pourquoi tu te frottes les yeux? Tu clignotes des yeux. Voilà, c'est l'heure du Motisma Gogo. Voilà. Allez, on t'arrête. On a des Motis B, je crois. Motis aura récup PV. Voilà, ça c'est cool. Du coup, on a Molène ici, hashtag le script. On check vite fait s'il n'y a pas un truc à se mettre sous là-dedans. Les emblèmes, je m'en fous un peu si on a un objet au sol. On va la récupérer. Voilà, donc c'est un épisode en fait en soi beaucoup plus tranquille. Ça me permettra de réfléchir qui prendre pour le prochain épisode en soi. Hey yo! Ah, ce cher Royal Mask, toujours aussi bien conservé à ce que je vois. Yoshika, je te présente Molène en cette fin d'épisode, le directeur de l'observatoire. C'est aussi l'administrateur du PC. Bon, ne crois pas que ce soit un génie dans tous les plans non plus. Il est un peu trop nul pour être capitaine, par exemple. Je t'ai cassé. Ah, mon cher Royal Mask, au cas où que tu l'aurais oublié, j'étais capitaine à une époque. Ah, tu dois être Yoshikira. Merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Désolé, mais notre capitaine Chris est très occupé en ce moment. Mais tu vas l'aimer. Entre l'étude de la trajectoire des comètes, la mise à jour de la place festival, tout ça. Puis cela dit, puisque Royal Mask semble penser que tu es à l'auteur, je suppose qu'on peut essayer de faire quelque chose. Je dirais même qu'il se débrouille mieux que nous par rapport à notre époque. Mais au fait, mon ami, moi, mon nom c'est Auferbe, pas Royal machin truc, pigé. D'ailleurs, j'espère que tu as pas oublié ce que je t'ai demandé. Sur ce, je dois retourner au parc Malier. Il est l'heure qu'il est il y a dû finir de se goinfrer. Ah, il faut que je ramène ici lui aussi. On l'affronte ou plus moi? Non, je crois pas qu'on l'affronte. Ah là là, on s'ennuie jamais avec cet Auferbe. Ah, je suis bien content de l'avoir comme ami. Tiens, Yoshikira, accepte ceci pour fêter notre heureuse rencontre. Non, voilà, on a la métallosélite. Très bien, voilà, on le regarde faire. Ça danse de la Macarena. Si. Poing poing. Et deux points comme ça, et bim! Ouh! Et tout qui s'envole, voilà. Alors, c'est pas la pose la plus stylée de la galaxie, il te suffit de reproduire pour déchaîner la dissipation, ok? Ok, ah là là, jeunesse, allez, fais-en bon usage et n'hésite pas à venir vers mon laboratoire si cela t'en dit. Quand tu seras prêt à passer l'épreuve, retrouve Chris dans le bureau du directeur. Très bien. Eh bien, tout cela, on va le faire, du coup, dans le prochain un épisode, les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode bon, a été un peu plus court que les autres, mais vous a plu. Comme ça, je préfère lancer l'épisode pif paf pouf, peut-être avec une nouvelle équipe de ce qu'on a là. Bien sûr, je vais pas pex. N'hésite pas, voilà, à mettre le petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, on atteint très prochainement les 1600 abonnés. Objectif 2000 pour mon anniversaire le 26 avril. Ça va être difficile, mais j'y crois. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Peace.